Et moi je connais une chanson qui énerve les gens. Et moi je connais une chanson qui énerve les gens. Et moi je connais une chanson qui énerve les gens. Bon salut les gens, je m'appelle Don Bunzel. Et j'espère que vous allez bien. Moi je vais aussi bien que vous. Si vous allez bien, alors je vais bien. Si vous allez mal, alors dégagez d'ici. Euh, deuxième, euh, deuxième partie de cette guerre des mois. On rappelle, il y a eu 6 éliminés lors de la première partie, lors du mercredi précédent. Euh, je vais pas rappeler les 6 éliminés. Vous avez qu'à voir la première vidéo si, si vous l'avez pas faite. Sinon, vous avez qu'à regarder pour, euh, pour revoir qui a été éliminé. En tout cas, euh, aujourd'hui, 44 youtubeurs vont s'affronter dans une compétition. Algodoo. Les 6 éliminés ne sont pas là, mais les 4 là que vous avez en, devant vous, donc PBT Jazz, Darlingator, Goldoyenvol et Audrey, ne s'affrontent pas non plus. Eux, ils sont déjà qualifiés pour le mercredi prochain. Euh, de la compétition à troisième partie. Euh, donc euh, Audrey qui représente le mois de, de octobre. On a Goldo, je crois que je vais dire pas de bêtises, mais ça doit être juillet pour Goldo, euh, si je dis pas de, de bêtises. Euh, darling Darlingator c'est février et PBT Diaz c'est euh, décembre. Donc voilà. Et, et donc ça, eux, ils ne participent pas aujourd'hui, on n'en parlera pas. Voilà nos participants du jour. Et à la fin, il y aura 8 éliminés aujourd'hui. 8 éliminés parmi tous ces participants-là. Et on va les, les, les laisser faire. Donc, c'est une course de billes, vous le savez. Là, il assimile tout ça. Regardez, hop, ça tourne. Hop, on supprime. Et hop, on les laisse faire. Alors, Erika, il part du mauvais côté. Ici, c'est coincé. Donc, ça va aller très, très vite parce que c'est long, hein. long. Et il y aura deux courses. Hein. Donc là, les 20 premiers, en fait, le but c'est d'être dans le top 20 et les 20 premiers seront qualifiés. Donc là, vous avez Bobby qui saute n'importe comment. On ne voit pas grand chose. Il y a Dadou euh, qui est le premier à passer ici dans la deuxième zone. Mais oui, il faut être dans le top 20 de cette course et il y aura une deuxième course où il ne restera plus que 24 participants et les 8 derniers seront éliminés. Donc tout de suite, que vous soyez 21e ou euh, 44e, ça ne change rien. De toute façon, on arrêtera au bout du, du 20e. Mais il faut être dans le top 20 pour être qualifié pour mercredi prochain et euh, s'affronter en équipe sur Worms parce que oui euh, la semaine prochaine c'est euh, un combat entre des Worms et c'est en équipe donc le mois d'octobre jouera ensemble etc etc donc ça sera un vrai travail d'équipe ici tout le monde se coince les autres qui les premiers euh, devant Ripti, à Multigamer, UCT Bart Oxymor qui passe ça va très 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 vite effectivement la deuxième épreuve elle ira moins vite est-ce que quelqu'un est coincé en haut non tout le monde est passé les derniers sont juste ici donc il y a Panditix Bobby Nikki euh, Jude Louis Outti-Belge. Verum, qui est carrément dernier, mais bon, on s'en fout pour l'instant. Ça descend, ça descend tranquillement. Le premier ici, c'était Oxymore devant Ripti. Eric, d'ailleurs, qui est revenu. Euh, Nabobi, Majak qui tombe. Pomo chez Sandrock. Alivi Production. Dadou. Il y a Seth Grifter ici. Katel, qui va arriver devant Martine. Ici, ça se pousse. Silverwall. Yaya Phoenix. On lui a mis sa nouvelle photo, hein, sa nouvelle photo de profil qu'il a changé euh, bah, du coup euh, hier parce que j'ai fait la vidéo. Euh, il a changé juste avant. Le Kaveski, euh, Juju, Madaï Kizumi, Gérard le barbare. Tout ça, c'est un petit peu en retard. Mais surtout, ici, c'est encore plus en retard. Ici, c'est galère. Hein. C'est galère pour Kinch, pour euh, Stick De Geek, pour Louis le Petit Belge. Mais ce n'est pas les derniers qu'il faut regarder dans cette course. C'est les premiers. Parce qu'il faut être dans le top 20. Ici, il, donc, vous voyez, il saute. Il saute, ils sautent il saute, Pas de présentation de parcours. Hein. Il faut aller vite. Sinon, la vidéo va durer très très longtemps. Et ici, les premiers, c'est toujours euh, Ripti avec Bobby. Ripti Bobby qui pourrait se qualifier à Dadou. Il euh, y a chez Sandrock qui est également là, oui c'est bien les premiers. Ah non, il y a un premier, c'est Oxymore. Oxymore est vraiment loin devant les autres. Hein. Grande avance par Oxymore, même s'il là il recule, Oxymore. Effectivement, Oxymore devant Bobby Repti. Ici on a Majak chez Sandrock, Dadou, on a Erika, il y a Phoenix également, très bien placé. Catel, euh, Babas, Welmaz, Alibi Production, Pomos. Tout ça c'est dans le top 20. Hein. The Joe c'est pareil. C'est qui qu'avec The Joe C'est Seth Grifter hein, avec The Joe qui est, qui est là. On a, on a Martine et Vérou, euh, Non, pas Véroum. c'était Izumi Martine, On va revenir sur Oxymore. Il est toujours leader Oxymore. Et c'est vrai qu'il fait une grosse course. Hein. à mon avis, il devrait finir dans le top 20. Attention de ne pas tomber quand même, malgré tout. S'il finit dans le top 20, on rappelle, il sera qualifié pour le combat des Worms avec tout son mois de novembre, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est bien. Oxymore, ça y va. Voilà, c'est bien, Oxymore tranquille, il est vraiment leader, Bobby est là, ah, il était, il est où le camarade de Bobby, il, il s'est perdu, là, il est, il y a Reptick qui est là, il est loin maintenant, Repti. oula, ça commence à monter, qui c'est qui est tout derrière, on va mettre un petit peu pause quand même, malgré tout, euh, derrière, c'est -ce les derniers ici, oh, il n'a pas mal, il n'a pas mal, on va laisser faire, mais ici, c'est vrai, effectivement, que c'est la merde, alors je vois euh, Louis le petit beige, Nick Dark, Silverwall, à mon avis, ça va participer à l'autre course d'après, si Lilou est là, Ellie également, euh, Nick Dark, il euh, y a Juju, Lilou, ça a passé. Mais c'est un petit peu en retard, il reste Nick Dark. Oh, il y en a encore pas mal. Il y en a encore pas mal. Oxymore, il est où Oxymore, il est là. Oxymore, toujours leader de cette course, est loin devant. Euh, deuxième, Yaya Phoenix. Les concurrents Streamlabs qui sont là. Chez Sandrock, est là également. Personne n'est passé de l'autre côté. En même temps, c'est compliqué. Euh, Bobby, Yaya Phoenix. Chez Sandrock, Welmas, Ripti. Là-haut, Dadou, Seth grifters, Erika, Katel, Madai, Kizumi, Pomo, ça peut se qualifier. Livy Production, c'est pas mal aussi. C'est vrai que tout le monde est en danger, sauf PVT, Darlingator, Goldo et Audrey. Allez, chez Sandrock, est côté, euh, côté droit. Les autres ont pris côté gauche. Chez Sandrock, est tout seul. Au moins, il ne sera pas gêné. Alors que les autres, ça se bouscule. Mais des fois, ça cède à se bousculer. Regardez, ils cèdent entre eux. Welmas, Bobby, Repti et Yaya, ils sont aidés entre eux. Et du coup, ils ont été plus vite que chez Sandrock. La course est encore longue, hein, regardez, il y a encore tout ça à faire, donc c'est pour ça qu'on va vite. C'est énormément, c'est long, 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 long. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. On n'a jamais fait une course aussi longue. Hein. Mais avant, c'était des vraies courses où on mettait, no on prenait notre temps, etc. Mais là, on est là pour faire une vidéo pas trop longue non plus, surtout qu'il y a une deuxième course juste après, avec 24 participants, comme on a dit. Et Oxymore hein, est tranquille, en vrai, on va le laisser tranquille, mais il va gagner. Hein. Ça ne change rien, hein. qu'il soit premier ou vingtième, il sera qualifié. Oxymore, pour la prochaine fois, il n'y a, y a rien qui change. Ah, il ne faut pas toucher le truc rouge là. Il va falloir toucher directement. tomber dans le trou. Oxymore, ça n'a pas été le cas. Il a touché la barre rouge. Il a une droit à une seconde chance. On va voir Oxy. Non, il va retoucher, hein. Il va retoucher, il va perdre son avance, Oxymore. Et oui, maintenant, il est derrière Kadavexki et Repti. Alors qui c'est qui va être le premier à passer ici Kadavexki, peut-être Et Kadavexki qui passe Repti qui passe. Je crois que c'est Oxymore hein, qui est passé troisième, du coup. Ah, Erika, ça passe pas. Chez Sandrock, ça passe. Welmas, non. Ouais, ah, c'est Repti, Oxymore, le qui est chez Sandrock. Les quatre qui sont passés, Oxymore a perdu un peu son avance, mais il est toujours dans le top. Ah, ici, ça passe pas non plus. Effectivement, ça commence à être une première zone. Qui sait qui est derrière Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont là Oui, j'ai vu des gens qui étaient là ici. Il n'y a plus personne, évidemment. Le dernier, c'est lui. C'est Bermuda. C'est le retardataire, Bermuda. Il est loin. Il est foutu pratiquement Bermode, ça me m'étonnerait qu'il soit dans le top 20, donc on verra la prochaine course. Mais c'est la prochaine course qu'il ne faudra pas être dans les 8 derniers, sinon ben adieu, ce concept c'est fini pour toi. Effectivement Bermode là t'es es vachement loin. Hein t'es vachement loin Bermode, petit Wolf, stick de geek et Ellie sont déjà pas mal loin, mais alors toi Oh la vache, la vache la vache Bermode c'est la merde. Ici il y a beaucoup de monde là putain. Ah oui chez Sandrock qui est là alivy Oxy, ouais, c'est le premier là, chez Sandrock. C'est le leader devant alivy Production, Pomos, il a repris la première place. Bobby, King, Repti, Madakizumi et Oxymor, du coup, n'est plus du tout dans le top 10. Plus du tout si on fait le classement là, chez Sandrock. En plus, chez Sandrock il va prendre la, la, la deuxième zone. Hop, on le laisse emmener par le petit train chez Sandrock. Et voilà, c'est fait. Lui se retrouve dans l'autre zone. Et Alivi Production qui va, qui va passer. Mais chez Sandrock, il a une zone où, où ça va beaucoup plus vite. Donc, normalement, ça devrait être bon. Effectivement, Oxymor, il a perdu beaucoup de place. Verum, qui était derrière un moment, Fifou qui est là. On a Jude ici, on voit. Jude, euh, Gérard le Niki, Nicky, Ayero, j'ai vu. Gérard le barbare qui va peut-être pouvoir passer dans Catel qui le pousse. Et c'est Niki qui va passer du coup. Attention, là, ça se bat pour la maintième place. Hein. Il en est où à Bermude Il y a Eli, qui est là. Euh, Bermude, il est tout là-haut. Non, mais c'est hallucinant. Hein. Non, mais Bermude, là, il est dans l'abus permanent. Hein. En tout cas, ici, effectivement, ça peut perdre aussi beaucoup de temps. Si Bermode y passait la première, dès le premier coup ici, ça serait bien. Euh, comment que ça se passe ici ben Effectivement, ici, ça continue. Il y a Alivi Production qui est là. Il y a kadevski, Il y a Bobby. Et c'est Bobby qui va être le premier. Chez Sandrock, il est où Où est-ce que tu es, chez Sandrock ben, Il faut tout refaire quand vous perdez. j'ai pas l'impression de voir chez Sandrock pour le moment. Il y a Erika, il y a Repti, il y a Fifou qui est pas mal. Il y a Cedrifter. Si ça se couche chez Sandrock, il est déjà passé. Ah ouais, il est vraiment déjà passé. Il est vraiment très très loin. C'est ce que je me disais. Chez Sandrock, il est vachement vachement loin. Alors, tout à l'heure, il y avait une belle avance. Mais là, chez Sandrock, c'est encore pire. Et en plus, on commence à approcher de. J'allais dire de la fin. Non, pas vraiment, mais bon. Là, il va passer là, chez Sandrock. Et, et effectivement, je ne vois pas comment on va faire pour le, pour le retirer du... du top 20. Hein, chez Sandrock. Même si c'est encore long, il va se retrouver dans. Qui c'est qui est là Pareil, Erika et Bobby, ça devrait passer. Reptik est là. Ripti, on a Kikada avec Ski ici qui passe. Ici on va aller. On regarde. Il y a Alivi Production, Verum, Volfield, Fifou, Alivi, Alivi, attention. Ça peut passer pour Alivi. Ah, C'est compliqué ici. Il hein. faut vraiment reprendre le deuxième directement. Là, il tombe, il, il tombe énormément. Ouais, ça, va, ça va durer longtemps ici. Ici on a Bobby, Erika. Ripti, on l'a dit. Il devrait se qualifier. Chez Sandrock aussi. Regardez hein, tranquille. Pendant que là-bas, ça se bat. Bermude, il peut revenir. Hein, S'il passe très très vite les obstacles, il peut, il peut revenir. Il est où, Bermude Il est toujours ici. Bon, il est toujours ici. Avec qui Avec Eli. Eli et Bermode en grand retard. Ça sent mauvais pour Eli et Bermude. Bermude, ça ne passe pas. Eli, ça ne passe pas. Mais ce n'est pas grave. Vaut mieux être dernier ici que, que dans les huit derniers de la prochaine course juste après. Ça sera elle la plus importante. Bermude, allez Ah non, c'est et Eli. On va les laisser tranquilles et on va les. Parce que là c'est foutu. Non se tomber. Hein. Allez, une dernière fois pour bermo on va tenter une dernière fois, on va voir. Allez, oh ben, bien joué, non, 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 trop loin, trop loin, trop loin. Ellie, c'est pas assez loin, c'est foutu. Hein. Pour eux, je vois pas comment ils peuvent revenir aussi. Même si si ça se coince beaucoup, se coince. Qui c'est qu qui est là, Panditix, Petit Wolf Qui c'est qui est là, Livy Production, il y a Gérard le barbare qui est un petit peu passé, mais qui a l'air coincé, Gérard le barbare. Ah l'abandon de Gérard le Barbare Il a été trop loin quand il est tombé là, il a été trop vite, trop loin. Gérard le Barbare abandonne Ou alors il est tombé ici Ouais c'est ça, ou alors il est tombé plutôt ici Gérard le Barbare. Dans tous les cas c'est un abandon. On le retrouvera pour la prochaine course Gérard le Barbare. Martin Wistili qui tombe ici. Ouais, je pense qu'il est tombé quand il, a, il est revenu ici. Il a dû tomber ici avec un contact avec une autre bille. Regardez Ayoros, là ça se contact, Non, je vois pas comment il peut faire pour tomber ici. Hein. Je sais pas ce qu'il nous a chié, Gérard le Barbare, là, mais. Mais adieu pour cette étape. Welmas Pomos, est-ce qu'il est arrivé chez Sandrock Non, il est là chez Sandrock. Il y avait du rouge, il l'a fait. Et il s'est fait rattraper par Ripti d'ailleurs. Chez Sandrock. Et ça va être la fin là. Chez Sandrock, il n'y a plus aucune difficulté. Hein. Ça va juste être un petit peu long. Ah, s'il y a celle-là, effectivement, il faut bien sauter au bon moment. Mais bon. Chez Sandrock, ça va passer tranquille. Il va faire partie des qualifiés. Repti qui est là. Repti, Eric K. Et Bobby eux aussi ça va passer. Hein. Qualifié pour mercredi prochain. Au moins d'un miracle. Il n'y a encore qu'une seule difficulté. C'est tout à la fin. Il y a celle-là aussi. Hein. Ici c'est pas facile. Eric K ça loupe. Bobby ça loupe. Repti ça loupe. Ouais c'est pareil. Bobby je crois que c'est février. Si je dis pas de bêtises. Repti ça doit être juillet. Et Eric K c'est janvier, donc ceux qui sont janvier, février, juillet c'est pas mal, si je dis pas de bêtises encore une fois, je peux pas avoir vos dates d'anniversaire juste devant moi, mais voilà, donc Ripti ça passe, je crois vraiment que c'est juillet quand même Ripti, hein. Eric K c'est sûr que c'est janvier, et Bobby je suis presque sûr que ce soit février, mais il va passer Bobby, on va le laisser, qui c'est qui arrive là, le avec qui aussi c'est janvier, et Alibi Productions, qui juin, on avait dit, je crois, il production. Panditix, c'est janvier aussi Alors, Ellie est loin, mais janvier, on pourra avoir 3 qualifiés sur 4. Panditix, Kadavekski, Erika. Il manque juste Ellie pour le mois de janvier, donc c'est pas mal. Octobre pour euh, Petit Wolf. Martinella, est là, Tout ça, c'est dans le top 20. Cattel, Volfield. Ici, ça ressaut un petit peu n'importe comment. Comment que ça se passe ici, euh, au niveau du coinçage qui sait, c'est Seth Grifter, Sylvain Wall, il vient de passer, Majak, euh, Lilou, il y a moi, Don Bunzel. tiens on ne m'avait pas vu depuis le début. Louis le petit belge, Louis le petit belge, allez, ça va le faire pour Louis le petit belge, allez, c'est pas fini, tout va jouer à la fin, Seth Grifter, Juju, il y a Babas, bon ça commence à être la merde pour Babas, Chris 92, The Joe, pour Seth Grifter également, au-dessus, est-ce qu'on a toujours Ellie et Bermaude On a que Ellie, je ne vois pas Bermaude. Je ne vois pas Bermude, il est là, il est là, Bermude, il va arriver dans cette zone aussi, il va rattraper pas mal de, de ses concurrents, mais ça ne suffira pas pour être dans le top 20. Bermude, le voilà, hop, voilà, il rejoint certains. Ellie est donc la dernière, mais bon, elle n'a pas à s'inquiéter, le mois de janvier est très très bien parti. Chez Sandrock est dans la dernière zone, donc voilà, là c'est dur, mais dès que ça passe, ça passe, c'est fini. Chez Sandrock pour la victoire, non. Et il va être rejoint par Ripti et Erika qui vont se battre pour la victoire. Alors ça change rien, mais bon, c'est toujours bien de, de gagner une petite épreuve. Chez Sandrock, Erika, Ripti. Il y a qu'un avec ski au-dessus, Bobby. Ripti s'est loupé, chez Sandrock, s'est loupé. Donc on a là que 5. 6 avec Alibi Production, 7 avec Fifou et Petit Wolf et 9 avec Wolffield. 10 avec Niki et onze avec Martin. 12 avec Panditix. Ça c'est fait. 13, Welmas, 14, 15 pour l'instant. Le 15e, ça serait Katel avec 16, Jude, 17, Ayoros. On va dire 17 qui sont déjà passés dans cette zone. 18 avec Wistili. Allez, attention, les places sont importantes maintenant. 19 avec l'ancien premier Oxymore. On rappelle que les 20 premiers de cette course se qualifient. Hein. Et 20 avec Amelinix, 21 avec euh, Verum, 22. Avec euh, Yaya Phoenix. Donc ça va se battre ici. Ça va se battre dans la dernière épreuve surtout. Vince, le rétro, Pomos, Nick Dark. Il faut passer pour eux. Hein. Vince, Pomos, Nick Dark, il faut se dépêcher quand même. Parce que vous n'êtes pas dans le top 20 pour l'instant. Au-dessus, ça va arriver pour Don Bunzel, Multigamer, Silver Wall et Kizumi. Stick de Geek est là aussi. On a qui On a Lilou et Dadou un petit peu en retard. Ici, ça saute pour, pour Jack, Pour je ne sais qui. C'est qui ça et pour voir, c'est qui euh... monte sur ma surpose. Ah, c'est Blue Demon. ok. Blue Gemon, Majak qui sont là. Louis le petit belge est arrivé dans cette zone aussi. Qui c'est qui est là C'est Juju en retard, beaucoup en retard. Juju Seth grifteurs, Bermode en retard. Ah, il y a un autre coincé. C'était Bart qui vient tenir compagnie à Gérard le Barbare. C'est un abandon pour eux. Babas Chris 92, toujours coincé ici, comme The Joe et Ellie, les quatre derniers. Mais bon, le pire, c'est voilà. C'est vrai que Bart et, et Gérald Barbar, c'est élimination par abandon. Ils n'ont pas pu finir l'épreuve, ça c'est sûr. Et bah c'est fini là Victoire du Kadavek Victoire du mois de janvier pour le Cadarex ski devant Volfield. Euh, devant 15, 3ème. 4 pour chez Sandrock, 5 pour Ayuros. 6 pour Catel. On va rester ici parce qu'il y en a beaucoup. Non, qu'est-ce qui se passe Alors attendez, 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 attendez. Parce que ça, c'est pas prévu, ça. Ça, c'est pas prévu, et le problème, c'est que ça ferait tout bugger sinon. Donc, on va juste faire ça. Euh, ouais, euh, parce que non, c'est pas prévu. Bon, ils ont perdu du temps à cause de tout à l'heure. J'espère que ça va passer comme ça, mais non. C'était pas prévu qu'il reste coincé. Niki, il va gagner, donc comme Oxymore, qui est passé Catel, Oxymore, on va noter tout ça, et puis voilà, on va attendre le, le top 20, évidemment. Effectivement, il y a eu un petit bug de, de coinçage là. Alors, et là, c'est Verum qui vient de se qualifier. Alors, moi, je marque ça en même temps. Kadavekski, euh, leader de cette course devant Volfield. Kinge qui sera là après, qualifié aussi. Chez Sandrock, qualifié. Et qui sera là donc mercredi prochain. Ayeros, Wolverine, pareil. Vous le retrouverez dans le combat des Worms. Cattel présent comme l'autre suisse, oxymore qualifié également, dans ce concept Niki Santoro également on a Verum qui est qualifié, Panditix qui vient de se qualifier pour le mois de janvier le mois de janvier très très bon hein. entre Panditix qualifié, le Kadavetsky ça passe aussi Multigamer ça passe également voilà, donc on est combien là 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, il reste 9 places, 9 places de qualification et il commence à avoir beaucoup plus de monde qui vont arriver, presque tout le monde en fait. Hein. Presque tout le monde là, parce que là, eux ils, vont, eux, ils vont arriver. Il manque Juju qui est là. Ici, il manque Maj Bermude, Majak et Seth Grifter. Babas qui est là. Et là, c'est Chris92. Et il y a encore The Joe et Ellie qui sont les derniers. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, là, ça va se battre, parce que là, il y a Multigamer. Maintenant, il y a qui C'est Wisp TV. Wisp TV, TV. Qualifié aussi oui, Stevie, 12 ème Si j'ai bien compté. Alors, Stick2Geek, non. Dadou, non. Euh, Skmada, non. Yaya, non. Petit Wolf, non. Lilou, non. Silverwall, Wall, non. Moi, non. Nick Dark, non. Fifou, non. Wellmas, non. Ça saute comme des merdes. Pour l'instant. Ali production. Jude. Jude, ça passe. Jude, ça passe. Je viens de le voir passer. Jude qui euh, sauve une équipe qui n'est même pas un mois. Hein. Il sauve. Euh, une équipe... Euh... 2-3, donc ça c'est pas mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, c'est bien ça. je est bien 13ème de cette course, donc qualifié. Et il ne reste plus que 7 places, les gens. 7 places, dont 6 maintenant. Parce que Bobby, qui avait fait la course bien en tête quand même, est qualifié. Blue Gemon est qualifié aussi. Ça c'est noté. Ça fait 15, encore 5. Wellmas c'était pas loin. Fifou, Alivi Production, Erika, Pomos, enfin ceux, il y aura 8 éliminés aujourd'hui dans cette vidéo, hein. c'est ça le plus important, c'est après, Ça va être un petit peu long du coup la vidéo, mais on attend, on attend qu'ils arrivent, et Ripti ça passe, Silverwall, Welmaz, Vince non, Juju non, Alivi non, Fifou, ah Fifou il, de... il fait pas d'effort quand il saute, hein. il fait pas d'effort quand il saute Fifou, et les gens, il ne reste plus que 4 places après Ripti. Hein. 4 petites places, donc il va falloir vraiment... Euh... Allez, Wellmas, non, Silverwall, non, Vince, non. Tout le monde est un petit peu revenu. Hein. Regardez, il est là, hein, alors qu'il était tout dernier. Donc bermo il peut encore se qualifier sur cette étape, c'est incroyable. Il est même devant cette grifter, il babasse. Là-bas, ça se bat toujours dans le rouge, hein, quand même. Hein. Il y a Elise, Joe, Majak, et enfin Chris 92 qui vient de passer. Mais alors eux, c'est mort, mort, mort. Hein. Qui sait qui s'est qualifié Yaya, Félix. 17ème. Il y a Félix 17ème, encore 3 places, 18, 19, 20, allez Pomos, Dadou, non, Erika, non, Martine, non, Amélinix, non, Fifou, non, Petit Wolf, non, Mada et Kizumi, non, plus, Don Bunzel, non, Louis le Petit Belge, non, Lilou, non, et Bermode Oh la fraude, ça, a faire une... oh, là, 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 là. ça aurait été dingue que Bermode se qualifie, ça aurait été dingue, Nick Dark c'était pas loin, Pomos, Stick de Geek, Dadou, c'était pas loin, c'était pas loin, Babas qui va arriver aussi Baba ce qui va arriver. Et imaginez-vous là, euh, euh, Chris 92 et les autres joueurs qui vont arriver également. Ah, oh, et Bermouth, s'il se qualifie, frère, ça va être un truc de dingue. Et Louis le Petit-Belge. Louis le Petit Belge, il reste deux places. Et il n'a plus qu'une maintenant. 7 grifter 7 Grifter Et il reste plus qu'une place, les autres. Participent à la deuxième course Attention la fin de course peut être à tout moment, Vince le Goutard, non, Juju, non, stick de geek, non, Lily Production, non, Nick Dark non plus, Pomos, non, Babas, non, Martin non, Dadou non, Amélinix, non, Fifou non, Erika non, Petit Wolf, non, Don Bunzel, non, Mada, non, Bermo, non, Lilou, c'était pas loin, hein. Silverwall, non, Wellmas non plus, Vince non plus, Juju, Stick de Geek. Allez les gars, une place, une place, pomos. Il faut savoir viser le trou, bordel. Des boules des, des boules dans un trou Mettez vos boules dans un trou Don Bunzel, Bermude, Mada et Kizumi Oh là là, il y a X92, vous voyez, il est là, c'est bon The Joe qui vient aussi Il est tombé par en haut The Joe, ouais, c'est ça, d'accord Madai il va pouvoir tenter sa chance bientôt. Il faut qu'il se dépêche, il n'y a plus qu'une seule place, à Dadou, Babas, Babas Babas, il était tellement loin, Babas Il était tellement loin, bah c'est bon, c'est fait Babas tellement loin et ça passe. Majak et Ellie qui arrivent là en retard. Vous voyez, ils n'étaient pas loin de sauter, Majak et Ellie. C'était les derniers. Ils sont presque tous arrivés là. Mais bravo, bravo, bravo. Et puis on va à quitter et je vais vous mettre la deuxième course maintenant. Pour savoir qui c'est qui sera éliminé. Mais les 20 là, c'est bon, ça passe pour eux. Et nous voilà, nous voilà pour la deuxième course d'aujourd'hui. Et donc du coup, les cours, la course à élimination. 24 participants euh, et 8 éliminés. Les 8 derniers euh, de cette étape, ben, c'est fini pour eux. Il n'y aura plus dans ce concept. Alors je dis ça, mais en vrai, un petit spoil. Il y aura des épreuves pour faire revenir des gens éliminés. Euh, et s'ils sont actifs sur le chat, ben, ils auront un peu plus de chances de revenir. Mais ça, vous allez... On en reparlera très très... Dans, pas maintenant parce qu'il y a d'autres choses à dire. Bref. Voilà l'épreuve, donc il va falloir tomber euh, le L, faire tout le L, taper dans la zone jaune, vous revenez ici dans, la, dans le M euh, et vous descendez, vous descendez jusqu'à la zone verte. La zone verte, ici vous êtes dans la zone verte, ça va aller vite. Il faudra descendre sans toucher les zones vertes, sans toucher les zone rouge, en descendant dans la zone bleue. Et ici c'est la fin. Dès que vous êtes dans la zone bleue, c'est fini. Vous allez voir, c'est simple, si vous touchez un triangle rouge ici, vous revenez au point rouge, si vous touchez la zone rouge ici, vous revenez au point rouge. Si vous bah, suivez le championnat le Godou ils comprennent, ici euh, vous revenez au point jaune, si vous touchez ici vous revenez au point vert, et si vous retombez ici surtout, bah, vous recommencez au point rouge. Voilà, tout simplement, donc euh, même à la fin vous pouvez perdre, les 16 premiers sont qualifiés, les 8 derniers sont éliminés, voici nos participants avec leur mois de naissance, ou le mois qui représente, parce qu'on rappelle que c'est un travail d'équipe, Eli et Erika pour le janvier, euh, personne pour février, Don Bunzel, Silverwall, Amélie Nix pour mars, sachant que Claude club est éliminé, ça veut dire qu'on pourrait aujourd'hui perdre le mois de mars déjà, qui ne serait pas le champion des mois, il n'y aurait plus du tout de mois de mars, euh, si Don Bunzel, Silverwall et Amélie Nix venaient à s'éliminer, euh, Wellmas pour le mois d'avril, représentant du mois de mai, c'est Chris, Vince, Retro Gamer et Martin. Aligné Production représente le mois de juin. Euh, Bart, euh, Majak et Dadou le mois de juillet. Madak et le mois d'août. Euh, septembre pour euh, Bermude, Octobre pour Petit Wolf, Pomos et Fifou. Heureusement qu'Audrey est déjà qualifié. Euh, Gérard Le Barbare, euh, pour le mois de novembre. Décembre pour Nick Dark et Lilou. Euh, et enfin, euh, le, euh, les six premiers mois de l'année pour Stick de Geek et Juju. Et les six derniers mois de l'année pour The Joe. Euh, sachant qu évidemment, quand vous êtes qualifié, vous serez là pour mercredi prochain. Et mercredi prochain, c'est euh, Worms en équipe. C'est-à-dire que bah, s'il n'y a plus qu'un que seul du mois de mars, par exemple, et bah, il sera en 1 contre 4. Euh, bah si par exemple imagine tous les mois d'octobre ils sont qualifiés tu vois et ben bah, il serait 1 billet 4 en worms donc ça serait vraiment compliqué bref vous êtes prêts 3 2 1 go on fait tomber les billes on va les faire tomber et puis maintenant on va les jouer avec notre barre rouge qui est censée tomber et là voilà elle tombe et elle va écraser nos billes pour qu'on commence et on va aller les rejoindre ici. Voilà, ça commence. Maintenant, il faut attendre que ça, ça disparaît. Ça réapparaît. Regardez, Pomos, Chris92, Bart, Fifou, Petit Wall, c'est bien. Azojo et Gérald Barbar, c'est mal placé. Ça va toucher le rouge. Voilà, Lilou, c'est bon, ça, ça touche pas. Attention quand même au contact. Fifou et Alibi Production qui se poussent. Ça pourrait pousser Lilou sur la zone rouge. Ah, Fifou et Alibi Production, attention. Erika, voilà, et Bart. Non, Lilou, non, Lilou, 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 Lilou. Oui, trop tard, elle revient au départ. Pomos, petit wolf. Lilou. Attendez, pomos, petit wolf, Lilou. C'est 3 du mois d'octobre 3 du mois d'octobre, il y a touche, mais oui Le mois d'octobre en furie Pomos, petit wolf, fifou, ça passe pour le mois d'octobre Les 3 octobre, on fait. Ah bon bah Rip, à petit Wolf. Et Rip Fifou qui a été touché à la zone rouge aussi là. Pomos, va-t-il sauver l'honneur ah, il a touché les deux, non, ça passe. F Pomo, c'est le premier à être passé finalement. Il y a Don Bunzel, Vince au Retro Gamer et Eli Vince au Retro Gamer, ça te passe. Don Bunzel, non, ça revient au départ. Eli ça revient au départ. Et là, il y aura qui Welmas, Dadou et stick de geek En tout cas, Pomo, c'est déjà passé. Il y a Vince au Retro Gamer qui est passé aussi. Maintenant, il faut aller, il faut continuer. Alors, attention, ils ont touché la zone rouge. stick de geek qui passe, Welmas qui passe, Dadou qui passe. On rappelle que les 8 derniers sont éliminés total. Ils seront pas là pour les Worms, pour aider leur équipe qui pourrait se faire éliminer. Il y aura des équipes éliminées dans les Worms. Hein. Les équipes perdantes seront éliminées. Donc on aura trois équipes en moins dans les Worms. Mais je ne spoil pas. Je ne spoil pas, vous allez voir, vous verrez. Pomos, 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 c'est zone verte, c'est bon. Pomos, ça avance. Euh, Dadou, Vince, le Retro Gamer. Euh, Alibi Production, Lilou, c'est passé. Stick de Geek, Welmaz, Il y a Petit Wolf également. Pomos, il est là, il a tout le monde dans la zone verte. Alors là. Voilà, il n'est pas zone verte. Alors on va aller sur Pomos pour voir s'il gagne. Si c'est zone rouge, ça recommence au départ. Et ça recommence à tout du début, vous allez voir. Voilà, Pomos est revenu au départ de la course. Aïe 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 aïe, Pomos. Et oui, la première étape est simple. Quoique. La deuxième, ici, est encore plus simple. Mais celle-là, elle peut faire revenir au départ. Et voilà, Dadou. Mais on va sursuivre sur ceux qui sont à la fin. Là, regardez. Nick Dark Amélinix. Ça ne passe toujours pas pour Nick Dark, Amélie Là, il va y avoir Juju et Bermouth qui vont aller tenter leur chance. Il ne faut pas aller dans les 8 derniers, mais il y en a encore plus que 8 ici. Hein, regardez, il y en a 3 ici. Et puis il y en a des autres qui sont revenus. Vous voyez Donc là, oui, il y a bien les 8 pour l'instant. Donc pour l'instant, c'est pas grave. Il n'y a pas de danger réel. Est-ce que Dadou va se qualifier En tout cas, Red... Vince le Retro Gamer se qualifie. Et c'est le premier. Vince le Retro Gamer est sauvé. C'est fait. Dadou, par contre, est revenu au départ. Hein, J'ai vu. Ici, il n'y a plus personne pour l'instant. Stick de Geek. Ça passe pour Stick de Geek. Il y a Lilou aussi, là. Elle a un petit euh, machin fantôme, Lilou. Hein. C'est une bi-fantôme. Bon, elle va passer tranquille. Quoique, faut, elle peut toucher jaune et revenir la, au départ de cette étape-là. Qu'est-ce qu'elle va faire Il y a Don Bunzel derrière Lilou. Vous voyez, Don Bunzel va toucher le jaune. Lilou, ça va passer. Donc, Don Bunzel, vous voyez, recommence ici. Il est là, Don Bunzel. Et Lilou, elle est là avec Stick de Geek. Maintenant, c'est le moment de vérité pour Lilou. Comment que ça se passe ici au départ Eh bah, ben Juju, Madakizumi, Bermo, et Nick Dark, c'est la merde pour l'instant. Eric, ECT euh, e Bart aussi. On va suivre évidemment. Alors, elle est tombée dans la zone verte, donc c'est pas grave. Stick de Geek maintenant va-t-il réussir Oui. Stick de Geek deuxième qualifié aujourd'hui. Est-ce que Lilou va se qualifier aussi Alors pour l'instant elle tape dans la zone verte Lilou. Donc il euh, bah, y a Wellmaz qui l'a rejoint. Wellmaz Lilou. Alors que Stick de Geek voilà il est proche d'être deuxième. En tous les cas, encore une fois, hein, ça ne change rien que vous êtes deuxième ou 16 Mais attention à ne pas être 17ème, parce que c'est élimination. Euh, donne Bunzel, Lilou et Walmaz. Et ils peuvent se qualifier, ils ont le temps encore. Ellie qui est là. Ellie. Non, elle va revenir dans jaune-jaune, mais bon, c'est pas grave. C'est ici, ça ne revient pas au départ. Ici, c'est toujours coincé. Hein, c'est vraiment compliqué de ça. Qui sait, personne n'est passé. Walmaz donne. Oh non, Lilou! Lilou a touché le rouge. Et eh oui, Lilou revient à la première étape. Ici on a Don Bunzel, Dadou et Wellmaz. Eh Ouais, bah c'est chaud, hein, c'est chaud, 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 chaud. chaud hein. Il y a encore 14 places. Gérard Le Barbare est ici avec Amélinix. Gérard Le Barbare, il va aller tenter sa chance lui aussi là-bas. Euh, Dadou peut-être. Dadou, ça passe. Dadou, troisième qualifié de, 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 de cette étape-là. Euh, bravo, Dadou. On va voir Dadou, on a dit euh, qualifié avec Stick de Guy qui est Vince le Rétro. Donc Stick Deguy qui défend les, les, les débuts, le début de l'année, les six premiers mois. Euh, Dadou, c'est le mois de juillet, tiens, il les sauve, c'est bien. Et on a dit Vince le Rétro Gamer qui, lui, est dans le mois de mai. Donc voilà. Et qui c'est qui vient de se qualifier J'ai pas vu. C'est Gérard le Barbare pour le mois de novembre, si je me trompe pas. Gérard le Barbare, oui, c'est ça. Hein. C'est ça. Et ben voilà, Gérard le Barbare s'est qualifié. Ça passe. Et il y a qui ici Don Bunzel pour le mois de mars et Wellmas pour le mois d'avril. Ça fait 6 qualifiés maintenant, hein. attention, il n'y a plus que 10 places, et Majak et Ellie sont là, Majak et Ellie sont présents, au départ, là, on a qui On a Chris92, on a Juju et SilverWall qui sont là, euh, Bermode également, présent ici, mais il va toucher la zone rouge, Bermode Oh oui, oh oui, et voilà, Bermode, ça revient au départ, Pomo, The Joe et Bart, en difficulté aussi, voilà, Wellmas, Don Bunzel, ça passe, euh, Gérard le Barbar, Stick de Geek et Majak pour le mois de juillet Majak pour le mois de juillet. Eli qui est là pour le mois de janvier. Magnifique mois de janvier. Et ça fait 8. Et ça fait 8. Il reste 16 billes en compétition. dont 8 qui seront éliminées. Plus personne n'est dans la dernière zone. Non, plus personne. Et là on a qui Petit Wolf. Petit Wolf euh, du mois d'octobre. Avec Madakizumi qui est à côté là-bas. Je crois que c'est mois d'août. Euh, Madakizumi, c'est ça, oui. Il y a Fifu pour le mois d'octobre aussi. Avec Petit Wolf. Et dire qu'ils étaient passés tous les trois le mois d'octobre, Pomos, Fifou et Petit Wolf. Et là pour l'instant, vous voyez, il n'y a ni Pomos, ni Petit Wolf, ni Fifou. Donc le mois d'octobre est en train de se ridiculiser alors qu'ils avaient fait un départ euh, incroyable. Ils vont laisser Audrey toute seule pour les Worms, peut-être. Allez, Fifou, voilà, ça passe ici. Il est avec qui Il est avec Erika du mois de janvier. Il y a Alibi Production, ça a passé pour Alibi Productions. Ça va passer, il y a Pomos là-bas, Nick Dark et ça. Oh là, là 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 là, il faut vraiment qu'il passe ici. C'est le moment de vérité. Fifou, non. Fifou, Erika. Allez, production, on va faire une petite pause. Une petite pause, regardez. allez, production, ça fait 1. On va regarder, c'est bien 16 vies encore. Erika 2, Fifou 3. 4 pour Madak. 5 pour Chris, euh, 92. 6 pour euh, Pomos. 7 pour, euh, pour Petit Wolf. 8 pour The Joe. 9 pour Martin. 10 pour Amélinix. 11 pour Nick Dark. 12 pour ECT Bar, 13 pour Silverwall, 14 pour Bermude, 15 pour Juju et 16 pour Lilou. Juju et Lilou au, au départ de la course. Ici on a, a Fifou et euh, Erika qui, qui vont essayer. Alivi Production c'est bon, hein. quand vous êtes ici ça passe. Voilà Alivi Production, 9ème mais ça passe du coup pour elle. Ah il y a Chris 4... Hein Ah non ça va, il était juste là, ça va. J'ai cru qu'il était au départ et que là d'un seul coup il vient de, de tout rusher Chris 92. Allez Chris 92, le moment de vérité. Zone rouge. Ou passer, ça passe, ça passe le mois de mai qui est content. Le mois de mai qui vient de qualifier Chris 92. Alors qu'il avait déjà qualifié Vince. Il reste Martine normalement. Ouais, Martine qui est la seule du mois de mai, pour l'instant pas encore qualifiée dans ce machin. Et The Joe, ça passe, petit Wolf aussi. Ah, ça commence à s'activer Si Rika et Fifou, non Si Erika, ça passe aussi. Oula, 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 il n'y a plus beaucoup de place. oula là là, il n'y a plus beaucoup de place. Erika, ça va passé The Joe. Oh là 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 Fifou, il va garder la zone verte. Ouais. Alors attendez, parce que du coup là on va avoir The Joe qui a passé. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 avec The Joe. Il reste 3 places. Et euh, regardez Pomos, Améli, Nix, Fifou. Nick Dark. Ils le savent. 3 places pour 11 personnes. Ils sont 4 ici. Ils sont 1 Martin ici, 1 avec Mada ici, plus 1 ici ça fait 3. Et donc normalement ils sont 4 ici. Bermaud, Juju c'est la merde. Lilou c'est la merde. Silverwald c'est la merde. Il n'y aura plus que 3 places de qualification. Ils sont 4 ici. Nick Dark à nix. Nick Dark à ça passe, il reste plus qu'une place Pomos Eh hey, Pomos Et normalement c'est élimination pour les autres. À moins que Fifou se dépêche, mais non Et qu'il double Pomos, mais sinon c'est fini c'est fini! Po fifou Fifou Pomos! La vraie bataille! Elle sera éliminée, elle sera qualifiée, c'est Pomos qui est qualifié! Mais c'est tous les deux du mois d'octobre! C'est tous les deux du mois d'octobre, de toute façon! C'est tous les deux du mois d'octobre, c'est terminé aujourd'hui! Fifou éliminé de justesse! A rien! Fifou éliminé pour le mois d'octobre. Martine pour le mois de mai. Éliminé aussi. Madakizumi, donc du coup pour le mois d'août. Septembre pour Bermaud. Hyperda concurrent. Euh, Barth pour juillet. Ça fait 5 éliminés. 6 éliminés avec Silverwall du mois de mars. 7 éliminés pour Lilou du mois de décembre. Et 8 éliminés pour Juju qui faisait partie des remplaçants. C'est les 8 éliminés du jour. Juju, Lilou, Silverwall. Eux BART, Barth, Madakizumi, Martine et FIFO Gaming, c'est la fin, moi je vous dis à mercredi prochain pour ce concept-là, et la troisième étape, ça sera donc avec tous les qualifiés, qu'on retrouvera, donc il y a eu 14 éminés, donc on n'est plus que 40, on retrouvera 40 Youtubers qui s'affronteront dans Warms, et là ça sera un combat par équipe, donc euh, bah, ceux qui ont perdu des coéquipiers, bah, tant pis pour eux, mais ça sera une étape très, impor très importante, et, euh, bah, et bah, à bientôt, à bientôt tout simplement.